relevé le défi d'Ayplay, qui était de faire l'épreuve de saut des ruines. Donc c'est parti, un petit coup de lag, c'est génial. Espérant que ça m'handicape pas trop par la suite. Donc lui ne connaissait pas le parcours, donc il a pas pu s'entraîner dessus. Moi je me suis entraîné dessus quand on a fait la map, donc ça va être un peu plus simple pour moi quand même. Ah bah non, apparemment non. C'est pas grave, je suis tombé juste en dessous, donc je peux revenir. Bon, je joue en pistole aussi, donc il n'y aura pas les ennemis qui vont me faire trop chier. En espérant qu'il n'y ait pas les lapins qui sont plutôt chiants aussi. Donc cette partie-là était quand même la plus chiante. Faut savoir que par la suite on a un peu allégé quand même le parcours. Bon, il y a quand même des petits pièges comme des trous comme ça. Mais normalement c'est beaucoup plus simple par la suite. Donc je n'ai pas pris d'item, donc je vais m'en donner là. Car là iPlay n'a pas trouvé le truc, mais. Enfin, elle l'a trouvé, mais un peu tard. Ma touche n'est pas bien configurée. Donc, on avait prévu aussi que cette coulée d'eau pourrait servir de checkpoint en se déversant dans la mer si jamais il se cassait la gueule par la suite. Il aurait pu remonter par la flotte, quoi. Contrairement à ce qu'il disait qu'on n'avait rien préparé au cas où il tombait. Donc là ça va plus vite déjà. Bon, pour l'instant on peut voir que toute cette partie-là était réalisable sans recommencer 15 fois. Bon, je vous ferai pas par contre le labyrinthe intérieur parce que je serai aussi bon qu'Ayplay par contre dans cette partie-là. Mais bon, au moins ça va. Cette vidéo va un peu ridiculiser et me venger mes magnifiques bateaux qu'il a détruit à coups de boulet. Et donc voilà. Bon, nombre de fails, il n'y en a eu qu'un seul là. Et encore, je suis pas tombé dans la flotte, j'ai pas du tout recommencé. Donc il y a. Et voilà. Bon bah voilà, c'était une petite épreuve de saut sympa. Donc Ayplay, j'espère qu'il s'est bien entraîné pour l'épreuve finale, que je ne montrerai pas dans cette vidéo. Je lui laisse le loisir de vous le montrer. Normalement je la publie aujourd'hui même, donc l'épreuve finale sera publiée aussi aujourd'hui. Par Ayplay normalement, car j'aime bien tourner mes vidéos juste à l'arrache les dernières minutes. Donc sur ce, je vous laisse sur une magnifique vue de la tour Karine, donc magnifique île qui a été en grande partie réalisée par 10 ans une soirée, faut le savoir. Enfin, c'est pas vraiment une île, comme son nom l'indique, ce sont des ruines. Et il me semble que là, il y a une épreuve de saut que je vous laisserai découvrir.
Donc sur ce, je m'en vais sur ce collègue, sur ce soleil couchant et je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.